Yo famille, moi c'est Stéphane Avi et je dis ce que je pense. Voilà, je sais que vous allez bien et j'espère que vous aimez aussi ma franchise. Ben aujourd'hui on parlera pas de franchise, on parlera pas de ce que je pense vraiment, mais j'aimerais vous demander, quand vous venez de regarder une telle vidéo, cette petite vidéo de 20 secondes là, qu'est-ce que ça vous fait? Quand vous voyez Didier Arafat et Bordeaux du Koufa en studio, sur un instrumental en train de voir ce qu'ils vont déposer dessus, qu'est-ce que ça vous fait? Après ce long moment de latence de la part de notre artiste Bordeaux Lil Koufa, le revoir dans un studio d'enregistrement avec son pote Didier Arafat, qu'est-ce que ça vous fait? Moi j'aimerais cette fois que vous me donniez votre avis en commentaire. Dites-moi un peu comment vous voyez la chose, comment vous sentez la chose. Est-ce qu'ils vont nous décevoir? Est-ce qu'ils vont nous faire plaisir comme d'habitude? En tout cas, c'est cela aussi ma vidéo. Voilà, c'est cela aussi ma vidéo. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que y a une autre info que je vais passer tout à l'heure. Mais moi, quand je vois Arafat et Desbordeaux dans un même studio, sur un projet, je ne peux qu'être heureux. Parce que c'est vrai qu'à la base, on suivait nos artistes chacun de son côté, mais moi personnellement mon combat de base c'était ça, voir Didier Arafat et Desbordeaux Lil Koufa comme au début du combat. Voilà, c'est vrai qu'ils peuvent pas chanter ensemble, chose qu'on va pas on va pas rêver, mais c'est plus intéressant de les voir en paix, parce que quand ils sont en paix je pense que la musique ivoirienne se comporte mieux, je pense que le coupé décalé va très bien. Voilà, et puis j'aimerais aussi passer un message à tous les fans de la Légion, à tous les fans de Gabé et même à nos confrères de la Chine, qui a Desbordeaux qui arrive en force. Il arrive vraiment en force, en force, en force, en force. Et ça, cela va faire très mal. Là, je peux vous rassurer parce que je connais l'artiste. Je sais sa capacité à lui dire réagir. Voilà. Moi, je dirais que simplement que pour lui, c'est un don. C'est vrai qu'on est souvent impatient, mais c'est un don pour lui. Parce qu'il a cette capacité-là de ne pas chanter pendant plusieurs années. Mais avec un seul opus, il vous fait danser pendant plusieurs années. Ça, c'est son registre à lui, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu gourmand, nous les fans, on veut mieux que ça. Mais moi, je suis sérieux. Moi, je ne me plains plus. Moi, je veux simplement plus voir mon artiste dans les clashs à faire du n'importe quoi sur la toile, à dégamer ça. Je ne veux pas voir ça. Sinon, à part ça, qu'il prenne 10 ans pour faire sortir un son, moi, je m'en bats les couilles. Comme on dit, j'ai trop parlé pour dire non, t'attends, fais sortir un nouveau son. Je sais que mon artiste, c'est comme ça qu'il fonctionne, ça roule. Mais tout ce que je veux pas voir de mon artiste, c'est de faire des clashs à un point fini. Voilà. Donc, soyez prêts. Juste pour vous dire, j'ai commencé par cette vidéo pour vous dire que je ne parle pas pour ne rien dire. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Soyez prêts, c'est pour bientôt. Et cela risque même de vous surprendre. Voilà, Desbordeaux, Arafat. Et ça va faire tache d'huile encore. Voilà, donc soyez sereins et restez positifs. Et puis en même temps, j'aimerais vous partager aussi l'annonce d'un rappeur franco-congolais que j'adore, que j'admire, qui est... Oh putain. Et vous savez que je l'admire. Ça coule son support en fait. Il n'est pas complexé, il est à l'aise et puis il est, comme on dit, choco dans sa peau. Il est très fort en tant que rappeur. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi, il est très original. Et il est l'un des premiers rappeurs à mettre des sonorités, les guitares congolaises dans ses chansons rap. Et c'est vraiment top quoi. Là, je vais vous parler de Sac à dos. Sac à dos de NASA. Il y a NASA qui vient en concert ce 7 septembre du côté du Palais de la Culture. Je sais que ça sera rempli, mais je sais que comme vous êtes beaucoup à me suivre ici, je passe l'info en même temps pour vous dire que tous mes amis, tous mes abonnés du côté d'Abidjan, je prie de vous voir là-bas parce que je serai les choses hors des leurs. Et on va faire la fête ensemble. NASA Abidjan, ça sera du balèze. Donc famille, c'était votre vidéo du jour. Passez une excellente journée et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.